Si tu crois en moi de tout ton cœur, tout deviendra possible. Hello, I'm making this very short tutorial video on GoFundMe because many people have expressed their confusion when they get on GoFundMe campaign that we launch to raise funds for our brother, our dear beloved Felix Koshoro funeral. So I'm making this small video, this very short video, to explain to you how to address this confusion. So when you get on a link and you open on the campaign link and bring you on this window that you see on the screen, and you decide to make a donation, you click on donation, donate now. When you click on donate now, whether you are on your Android smartphone, Apple smartphone, tablet, or you on the computer, the screen is pretty the same. Right here, you will be asked to enter your donation. So this is where you decide to enter how much you're willing to donate: $50, $20, $100, $200, $500, whatever you want to donate for Felix, you do it. So here, let's say I'm donating $200. As you can see underneath, it says tip GoFundMe services. This is where some people, they get confused. They think that they're going to be charged $20 extra for their donation. No, you're not going to be charged $20 extra for your donation or whatever, 15%, 10%. No, this is a tip that GoFundMe is asking you. You don't need to donate tips. You don't need to tip GoFundMe if you don't want to. And to bypass this, you just need to click on this small arrow and then click on other, and after that all you need to do is just zero out the amount. So zero out the amount and click on continue. From there you choose your payment method, and you may decide to make an anonymous donation so you don't display your name on a feed, on a campaign feed. So this is how you bypass the confusion that was raising with so many people about the 10%, 5%, 15% tips. You're not going to be charged anything extra. All you need to do is just click on order and zero out the amount. Chers amis, cette courte vidéo, c'est pour adresser quelques petites difficultés que certains ont certainement rencontré sur la plateforme de GoFundMe pour faire leur don, leur contribution pour les obsèques de Felix. Alors, lorsque vous êtes sur le lien de campagne, arrivé à ce niveau, vous allez voir bien évidemment la campagne pour Felix, et que vous décidez de donner, vous cliquez sur Donate Now. À ce niveau, vous mettez le montant que vous avez envie de donner pour la campagne, je suppose $200 par exemple. Et juste en bas, où il vous est demandé par exemple de donner des pourboires à GoFundMe, vous pouvez décider de ne pas donner de pourboire. Vous n'êtes pas tenu de donner de pourboire. Alors pour passer cette étape et ne rien donner comme pourboire, certains ont pensé que ils seront la structure va les charger $20 extra, ou $10 extra ou $15 extra lorsqu'ils sont ils ont envie de faire une contribution. Non, il suffit de cliquer sur l'onglet, la flèche qui va là, et vous choisissez order. Lorsque vous choisissez order, vous tapez dans le casier $0. Ça veut dire que vous ne voulez rien donner comme pourboire, parce que c'est GoFundMe qui demande ça, et vous cliquez ensuite sur continue. Après, vous choisissez le mode de paiement que vous voulez utiliser, et en bas vous pouvez choisir de faire un don anonyme, comme vous pouvez choisir d'afficher votre nom. Là, le nom ne s'affiche pas dans la page officielle que tout le monde voit, mais l'initiateur de la campagne, le manager de la campagne, pourra toujours connaître le nom de ceux qui ont donné. Je vous dis merci pour le don que vous avez envie de faire pour Felix.
Je vous demande au-delà de tout de porter Félix dans vos prières, que l'âme de Félix repose en paix. Thank you for your donation. Oh, thank you for your time. May Félix's soul rest in peace. Ta foi te sauvera. J'ai fait le premier pas en me donnant pour toi. Accepte-moi comme ton sauveur. Rien n'est plus beau que d'avoir la foi et de savoir.